Hello tout le monde, votre iPhone a un problème, il ne veut plus s'allumer ou reste bloqué sur la pomme. Si le reboot de l'appareil ne veut pas arranger le problème, il faudra dans ce cas passer par la restauration de l'iPhone via le mode DFU. Cela veut dire que vous allez restaurer l'iPhone en version d'usine et perdre toutes vos données non sauvegardées. On espère dans votre cas que votre dernière sauvegarde ne date pas de trop longtemps. Alors pour accéder au mode DFU, de l'iPhone 3G à l'iPhone 6S Plus, il faut brancher l'iPhone à l'ordinateur, appuyant en même temps sur le bouton Power et le bouton Home pendant 10 secondes, puis relâcher le bouton Power, mais rester appuyé sur le bouton Home encore 10 secondes. Et à partir de l'iPhone 7 jusqu'aux iPhones les plus récents, vous devez d'abord appuyer 3 secondes sur le bouton Power, puis simultanément avec le bouton Volume du bas pendant 10 secondes supplémentaires. Relâchez ensuite uniquement le bouton Power, tout en maintenant appuyé le bouton Volume du bas encore 5 secondes. Une fois ces manipulations faites, iTunes va détecter l'iPhone en mode récupération. A partir de là, vous pourrez lancer la restauration de l'iPhone et la dernière mise à jour de l'iOS. La manœuvre peut prendre une petite heure, voire plus si vous synchronisez une ancienne sauvegarde et que vous aviez beaucoup de données. Et si la manipulation ne fonctionne pas, le problème est peut-être matériel. Vous trouverez en description d'autres vidéos qui pourraient vous être utiles. Et voilà, la vidéo est terminée. On espère qu'elle vous a été utile. Et si vous souhaitez voir plus de vidéos d'astuces ou de guides de réparation, on vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. À très vite !